Menez-le! Honoroi, tu es sain et sauf. Oui, nos médecins m'ont requinqué en un rien de temps. Je risque de garder quelques cicatrices en souvenir de cette mésaventure, mais ça me permettra d'impressionner les filles. Espèce d'idiot. Je me suis fait un sang d'encre à cause de tes bêtises. Ne recommence plus jamais ça, c'est compris? Oui, sire. Et maintenant, tu vas écouter le récit de mes exploits. Veuillez excuser ma trop longue absence. Lorsque le comte m'a raconté tout ce qui s'était passé, je me suis dit que c'était la moindre des choses de venir à votre rencontre. Aujourd'hui est un grand jour pour Ishgard. Après un si beau combat, je me suis dépêché d'envoyer un missionnaire pour avertir nos compatriotes de notre victoire. La bonne nouvelle s'est répandue encore plus vite que je le pensais. Ne sentez-vous pas l'effervescence qui règne dans la cité? Après notre retour au sein de l'Alliance Éorzéenne, les Ishgardais ne pouvaient pas rêver mieux pour reprendre confiance en leur avenir. Oui. C'est comme si un vent nouveau soufflait sur nous. Sir Emeric, je pense que le moment est venu. Tout à fait. Organise la reprise des préparatifs au Nid du Faucon et envoie immédiatement un messager à Anextrin. Vidofnir doit être prévenu dès que possible. Après 1000 années de conflit, la guerre contre les dragons touche à sa fin. Il est temps qu'Ishgard et Dravania fassent la transition vers une autre ère, celle de la paix éternelle. Vous pouvez compter sur moi. Artoirel se trouve toujours au Nid du Faucon. Je vais m'empresser de lui transmettre le message afin qu'il se mette au travail. Et ça vaut aussi pour toi, Emanelin. L'histoire d'Ishgard avance à pas de géant. Je m'occupe de prévenir Yashtola et les autres. Je ne sais pas si je pourrais vous remercier convenablement un jour. Qui sait, peut-être cela sera-t-il possible durant la cérémonie. En tout cas, il va sans dire que je serai très heureux de vous y retrouver.
L'heure de la rencontre approche. Vidofnir ne devrait pas tarder à se montrer. Je l'espère. C'est la jeune femme qui a provoqué le grabuge de la dernière fois, capitaine général. Plutôt que de la punir immédiatement, j'ai pensé qu'il valait mieux la laisser écouter votre allocution. Lucia, il est possible que mes paroles s'écartent du discours que nous avons rédigé. Ne sois pas surpris si cela arrive. Bien reçu, capitaine général. Laissez-vous guider par votre cœur et exprimez-vous librement. La voilà! Je suis contente de vous revoir, humain. Sachez que mon retard n'est dû qu'à la différente manière dont nos peuples perçoivent l'écoulement du temps. Soyez la bienvenue parmi nous, Vidofnir. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous n'avez pas besoin d'être aussi formel. Mon père a donné son aval pour que cette rencontre ait lieu. Et j'ai toujours senti qu'un jour viendrait où nous serions amenés à nous rapprocher. Au-delà des souffrances que nous nous sommes infligées, nous regrettons tous le lointain passé où nous vivions en harmonie. Vos paroles me touchent profondément, car je partage entièrement vos sentiments. Ensemble, nous allons marquer le début d'un âge nouveau. Vous, qui êtes témoin en ce jour du nouveau traité de paix entre Ishgard et Dravania, écoutez-moi. Depuis la trahison du roi Tordan, les humains et les dragons se sont entretués au cours d'un conflit millénaire qui n'a apporté que malheur et désolation. Nous avons tellement souffert qu'au lieu de mettre rapidement un terme à ce massacre, nous nous sommes enfermés dans le cercle vicieux de la vengeance. Ce choix funeste n'a fait que répandre davantage de sang et de larmes sur nos terres. Je suis conscient que certains d'entre vous n'oublieront jamais la douleur qu'ils ont ressentie en apprenant la perte des êtres qui comptaient le plus pour eux. Mais à cela, et aux autres, qui s'obstine à faire sonner le tocsin de la guerre, je tiens à dire ceci. Oubliez votre colère et jetez vos armes. Si vous ne le faites pas, vous serez les prochains à périr sur le champ de bataille et à rendre malheureux ceux qui vous aiment. Ne vous laissez pas aveugler par la haine et ouvrez vos bras à la paix pour le bien de notre nation. Le fossé qui nous sépare n'a fait que se creuser au cours des siècles. Parfois, certains obstacles semblent tellement insurmontables qu'ils sont comme les cimes inatteignables des plus hautes montagnes. L'existence humaine est si courte qu'elle ne représente qu'une fraction de la nôtre. Êtes-vous vraiment certain d'avoir la volonté collective nécessaire
pour faire ressusciter la fraternité entre nos peuples. C'est ce que je souhaite le plus au monde, Vidofnir. Et pour vous le prouver, nous vous avons préparé une surprise. Nous espérons vous faire ainsi comprendre que notre désir de paix est aussi solide que la pierre sur laquelle nous l'avons gravé. Je vois. En effet, il n'y a pas plus beau symbole de l'amour qu'un dragon et une humaine pouvaient autrefois ressentir l'un pour l'autre. Vous m'avez convaincu que les enfants du dragon sacré et les humains fassent à nouveau partie du même monde, que nos rêves se rejoignent dans un avenir commun. Misérable traîtresse. Traiter de paix avec les humains? Jusqu'où vous abaisserez-vous, enfants de Resvelgre? Vous faites honte à notre race! Écoutez-moi, perfide! La prochaine fois que les cieux trembleront sous mon rugissement sera le signe de la bataille finale! Préparez-vous à être entièrement consumés par les flammes! Et n'espérez pas avoir une seconde de tranquillité d'ici là! Votre supplice sera lent, douloureux, et ne prendra fin que lorsque ma colère sera assouvie! Ta colère? Nidhogg? Sois maudit, Nidhogg. Tout est de ta faute. Si seulement tu n'étais pas là, la guerre serait déjà terminée. C'est vrai. Si on veut vivre en paix un jour, on doit d'abord détruire le dragon maléfique. Sinon, c'est lui qui nous exterminera tous. Il va payer pour tout le mal qu'il nous a fait. À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort! À mort! À mort, à mort, Nidhogg! À mort! 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 À mort!